Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur un juste pour le plaisir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau test. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait sur un jeu et surtout sur une console de génération précédente. Alors, quel est ce jeu? C'est un jeu qui a été c'est un petit peu un beat'em all pour mon, pas beat'em all, qu'est-ce que je vous dis, c'est un action beat'em all plus de 18 ans qui est sorti le 12 octobre 2017. C'est un jouable en solo et il n'y a pas de multijoueur malheureusement et heureusement. Je connais pas du tout ce jeu, j'ai jamais joué à ce jeu, je vais le découvrir en même temps que vous. Pour moi, pour ma part, je vais faire une heure de jeu maximum. Minimum, on va essayer et ça sera condensé en 20 minutes. Ce jeu, c'est Conan, exactement. Un jeu d'où il y a eu deux films, un avec Schwarzenegger sorti dans les années 80 et un autre avec Jason Momoa sorti en 2011. Voilà, que j'ai jamais vu. Mais avant de faire ce jeu, je me suis renseigné et je vous mettrai de toute façon les affiches des films par-ci par-là pour que vous les voyez. Voilà, on va commencer tout de suite. C'est un jeu que j'avais chopé où ça? Je sais plus. La boîte est bien propre. À mon avis, ça, c'est un jeu que j'ai chopé dans un petit vide-grenier, tu vois, pas trop cher, où j'ai dû racheter à quelqu'un. Je sais plus. Bon, enfin bref, on commence, on est dans le menu. On va appuyer sur Start. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Voilà, nouvelle partie, chargée partie, bonus, option. Tout ce qu'il y a pu avoir dans les dans un menu, tu vois, c'est normal. Et on peut voir que le fond est assez sympathique. J'aime beaucoup le fond de l'écran, c'est assez gore, j'aime bien. Ça barre du bonne intention, tu vois. Alors, faire option, faire nouvelle partie, on va faire moyen parce qu'on n'est pas les PD. Et puis c'est parti, on va buter les connards. Doucement, petit, ne va pas si près, tu pourrais te brûler. La nature peut se montrer brutale à certains moments, tu sais. J'ai connu un homme jadis qui voulait s'approprier son pouvoir et l'utiliser à ses propres fins. Tu imagines? Ce soir, peut-être vais-je te raconter une histoire. Une histoire d'aventure, de sorcellerie. Celle de Conan. Écoute. Je vais te conter l'histoire d'une époque inimaginable. Où des empires étincelants recouvraient le monde, à l'instar de voiles bleues sous les étoiles. Alors vint Conan, le Cimérien, à la crinière d'ébène, au regard sombre, l'épée au poing, un voleur, un errant, un tueur, qui foula aux pieds les trônes sertis de joyaux de la terre entière. Sa soif d'aventure et de trésors conduisirent Conan jusqu'à Balmori, une île isolée en plein océan occidental. Il monta sur le sommet de l'île pour y trouver une tombe oubliée depuis des lustres. Et là, il combattit. Quand même, ça fait peur, hein. Quand on discute comme ça, ça fait très peur. Hein. Il combattit. Ouais, nous combattons alors. Attends. Ah, c'est quoi les touches? Pour taper, c'est quoi? Voilà, ça c'est sauter. Rond, c'est quoi? On donne des coups. Carré. Ok, faut s'appuyer. Et triangle. Ok. Et c'est parti. Ouh! Des attaques! Appuie sur carré pour faire une attaque légère. Ces attaques sont rapides, mais moins efficaces que les attaques puissantes. D'accord. Ah, ok. Vraiment du copier-coller sur. De foire avec des âmes, tout ça qui sort des humains. Appuie sur triomphe pour faire une attaque puissante. Ces attaques sont plus lentes que les attaques légères, mais plus efficaces. Ok. Alors, attends, on va faire. Ok, vas-y. C'est de la merde. Okay. Non, mais hop, il va pas faire chier lui. Alors, on continue, on avance. Ah bah oui, il y en a deux qui vont arriver, bien sûr, bah oui. Allez, mais putain, faut appuyer quand même. Pourras-tu? Oh,
Bah oui. Homme va te juger. Homme va te juger. Ah, j'ai oublié de dire, on est sur PS3. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais bon, on est sur PS3. Ma PS3 est pas connectée en réseau, c'est-à-dire elle est pas mise à jour depuis... depuis longtemps. Alors, appuie sur R1 pour ouvrir la porte. Certaines portes nécessitent une combinaison de commandes pour les forcer. Appuie sur R1. Ça ne fait rien, et là... Et il faut scroller la touche rond. Ouais, ouais, il écarte les jambes, tout, c'est magnifique. Tu tues aussi facilement les spectres que les hommes. Vraiment, il est barbare, hein. Conan, c'est vraiment Conan le barbare, hein. C'est vraiment Conan le connard, hein, comme on dit. Il a pas peur, le mec, il bute des squelettes à moitié volant. Voilà de toutes les couleurs. Ok, il a vraiment pas peur. Je sais pas dans quoi on s'embarque, mais on s'embarque dans quelque chose, hein. Le mec, il a pas peur. Ouh! Ah, il y a un truc vert là-bas, je sais pas ce que c'est, un joueur de peau. C'est quoi ça? Ah, on peut les prendre? Ah bon? Attends, c'est quoi? Oh! Les runes vertes restaurent la santé. D'accord. Ok. Je veux dire qu'il va avoir le truc aussi bleu ou un truc comme ça pour les attaques spéciales. Spéciaux. Ok, c'est un gros alcoolique en fait, Conan. C'est un gros alcoolique qui fout du sang partout. Tu pourrais nettoyer quand même. Tu pourrais nettoyer, moi. Bon. Ouais, moi, je fais ça, moi, je me pète le dos. Autre démon. Ah, c'est dommage. Je viens de me percevoir un truc, dis donc. Attends, regardez. Ah, plus de musique, c'est calme. Tu vas avoir d'autres mecs. Hein. Regardez, hop, c'est méchant. Et il va. Il y a la musique, voilà. C'est magique, hein. C'est la magie du montage. Non, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est fort dommage. Moi, je te le dis. C'est fort dommage. C'est fort dommage. C'est comme ça. Bon, c'est un jeu qui m'a l'air facile à faire, je pense. Ben. Il doit y avoir quoi. Oula. Oulala. C'est qui lui? Les statues bougent. Les statues bougent, bah oui, c'est ce qu'on voit, hein. Je lis comment, je me fais défoncer le cul, je me prends un poireau dans le cul, je fais quoi? Tu m'expliques un petit peu, parce que on sait jamais, hein. Attends, on va essayer, comme ça, tête. Voilà, voilà, attends, on peut pas... Y'a pas une touche pour... Non? Attends, ah non, on peut pas. Ah, avec ça? Ah non! Double attaque! Ah voilà! C'est bon, j'ai réussi. Ah, il y a un truc. Ça, peut-être. Les runes rouges donnent des points qui permettent d'apprendre des nouveaux coups. D'accord, il y a des points de compétence, c'est plutôt sympa. On va pas dire non. Bon, le gros alcoolique va apprendre. Eh, mais prends ça, mais prends-le! Voilà, c'est bon, c'est bien. Ah, ça. Bah oui, bah prends-le toi dans la gueule aussi, je te dis à rien. Et bien sûr, mais oui, fous-toi. Ah oui, mais bien sûr, mais je suis sûr, Satan peut l'avoir avec des coups normal. Ah bah on peut l'avoir, on pouvait. C'était bien marqué dans le contrat qu'on pouvait l'avoir. Un petit peu sombre le jeu, hein, je trouve, hein, personnellement. J'ai plissé les yeux un petit peu pour voir mieux. Mais il est un petit peu sombre, je trouve. C'était bien dommage. Il est pas dégueulasse, hein, il est pas dégueulasse. Je vais pas dire, c'est un excellent jeu. C'est un bon jeu. Je sais pas si vous avez déjà testé. C'est un bon jeu, particulièrement. Mais ça, il y a beaucoup de copier-coller avec God of War quand même. Je crois à l'époque c'était déjà sorti God of War. De toute façon, God of War c'est de la PlayStation 2. Oui, c'était déjà sorti. Ah, gros alcoolique, on prend ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
sauter, faut attendre. Non, faut sauter. On le tour. Non, les méchants. Moi je les attends, moi j'ai pas peur moi. D'accord, il y a des trucs de soins partout. Toi, plus laid que les autres, tu vas aussi prendre vie. Tombe dans le puits de l'enfer. Ah ouais, bah il prend vie. D'accord. Moi j'ai pas peur, je me mets dedans. Et on peut pas éviter les coups, c'est ça qui est bien, on peut pas éviter les coups. C'est ça qui est un bon jeu, tu vois. De pas éviter les coups. Mais oui, t'aimes pas éviter les coups. Bah joue à Conan. Allez. T'aimes bien prendre des coups dans le cul. Oui, t'en... Allez, t'en prends deux. Allez, voilà. On peut sauter, ça c'est un bon. C'est un bon point déjà. Et on peut pas éviter les coups. On peut pas. Hop. Hop, et voilà, tu vas crever. Bah bien sûr. Ah oui, bah oui. Voilà. Ouf. Ah. Ah, allô. Non, ça va, c'est Mathieu. Conan voulait ce trésor pour lui tout seul. Mais il n'en fut pas ainsi. Conan était à la recherche d'un joyau. Mais à la place, il trouva un monstre. La pénombre tomba. Conan dériva sur les eaux pendant des jours. Le temps semblait perdu. Puis le destin s'en mêla. Sur la plage abandonnée, vers les îles Baraké, il y a Conan qui est arrivé. Des pirates, des voleurs, et d'autres brigands, tout genre. Elle est comme ça, lui. Lui, il prend. Il retire l'épée du mec, du mort. Il a pas peur. Il a pas peur, c'est Conan. C'est un barbare. Des pirates. Ah oui, des humains. Je vois ça. Ça va être plus facile, mais tu vois. Alors, pour saisir... Ah, on peut choper un mec, d'accord. Alors, un nouveau coup a été déverrouillé. Appuie sur la touche sélection pour gagner une nouvelle aptitude. Ok. Alors, ok. Alors, il y a des coups d'expérience. Expérience, c'est le nombre de petits carrés qu'on récupère, de petits bordels là, qu'on récupère pendant le jeu. Hein. J'en ai 63, ça vaut 50, 50, 150, 250, 500. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on va faire celui-là, on va prendre au hasard, on va prendre le premier, on s'en fout. Voilà. Alors, je vois que appuie longuement sur L1 pour contrer l'ennemi. Certaines attaques sont trop puissantes pour être contrées. Non, nous on n'a pas peur. Ouais, faut vraiment... Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais, t'as pas peur, toi. Allez, vas-y. Prends ça, la courgette. Pourquoi j'appelle la courgette? Moi, ça va pas mieux. Ouais, il y a un coffre. Oh. Ok, c'est pour récupérer des points de compétence. Voilà, comme ça. Juste en avoir le plus possible. Pour pouvoir... C'est vigne. Pour pouvoir améliorer fou mon personnage, tu vois. Encore des sales pirates, hein. Ouais. Ah, il y en a là aussi. Enfin, il y en a ici. Allez. Ah putain, certains ennemis peuvent contrer vos attaques. Les attaques performantes permettront de percer leur défense. Ah, il va pas me couper pendant tout le jeu quand même, le mec. Allez. On va faire une boucherie ce jeu, tu vas voir, ça a vite fait, bien fait. Il y a un autre là. Frondrome. Qui dit Frondrome? Ah, j'ai vu, il y a du QTE. C'est bon, j'ai vu un rond apparaître là. Vous maîtrisez un... Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Pouvoir d'armure. Attends. Ouais. Ouais, bah écoute, on s'en fout, hein. Je sais pas, moi. On va prendre ça, tu vois.
Ok. Ok, on apprend les coups. Avec le jeu. Oh, les techs qui coulent. Les techs qui coulent. Oh là là, ça fatigue là. Et putain, mais il tape pas. Mais vas-y, ça me saoule. Il est tout seul. Bah oui, il est tout seul. Bah oui, tu vois pas, je suis tout seul à faire le jeu. Ah, je sais pas si les films étaient bien à l'époque. Il est tout seul. Je sais pas, j'ai pas. En fait, j'ai juste regardé la fiche des films. Et j'ai pas fait gaffe à la note. C'est vrai que c'est pas des gros des, ça c'est des jeux, voilà, ils disent ah bon, c'est un petit jeu, on va faire ça vite fait. Y a des corsaires partout. J'aime bien les corsaires. Ah regarde, on va les faire chier, tiens. Ah on peut soulever ça, tiens. Ah oui. Ah ouais, bah c'est cool. Un rat moins dans la rue. D'accord, on pouvait les faire chier. On peut tout porter quoi. Ah, c'est excellent! C'est bûcheron! Ah, ouais, il est bûcheron, le mec. Hop, il boit un coup, allez hop, des gros alcooliques. Est-ce que. Ah, ouais, il peut porter le tonneau, putain. Hop, oh là là, je traverse mon avec mon tonneau pour aller boire un coup. Voilà, allez. Parfait. Encore une nouvelle compétence, allez, et vas-y, mais oui! Le mec il fait le ménage, tu vois, il se dit, bon allez, on continue, moi je pète les tonneaux, et moi après je les bois. Hein. Encore des lianes à péter là, tu vois. Je ne laisse pas mourir! Mais t'inquiète pas, tu vas pas courir ma chérie. T'es qui toi? Allez, à poil! Pas de branlette les enfants ce soir. Hein. Tiens, un succès. J'ai eu un succès. Alors attends. Alors, à terre. 273. Ah bah, je peux peut-être prendre un truc. À 250. Allez, on va prendre ça, tiens. Il me reste 23. Il y en a 23. Rien. Vu qu'on peut tout porter, on va leur faire la fête. Allez. Prends ça en cul, tiens, connard, moi. Allez. Allez. Oui c'est un lâche, ça c'est sûr, mais pas moi, pas là. Oh putain. Oh putain. Restons de l'enfer. Oh là là, oh mais il est costaud lui. Tu mourras sur cette île. Oui, à toi aussi. C'est toi le chien qui commande ces chiots. Hop, allez, vas-y, viens là. Les vautours mangeront tes restes. Allez. Ah, on peut pas éviter les coups, c'est chiant. On peut pas éviter les coups, c'est chiant, putain. Allez, viens là. Oh merde. Putain, on peut pas éviter les coups, c'est gonflant. Mais non, mais... Ah ouais, mais bien sûr... Ah bien sûr, si vous avez des idées pour des prochains tests de jeux vidéo, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Alors, c'est quoi ça? Alors, faut prendre la vie quand même un petit peu. On sait pas ce qui va se passer. Ah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ouais, Yoshi, tu peux tester ça s'il te plaît. Bon, surtout, faut me dire des jeux que j'ai, parce que si vous me dites des jeux que j'ai pas, ça va pas le faire, hein. Bon, je vous lis hein, tout de suite. On va prendre ça pour péter les gars, ça sera plus rapide. Putain, mais le mec a l'impression qu'il porte un truc, il a mal au cul. What? D'accord. Qui lui? C'est Robin des Bois. Appuie sur R1 pour retirer une flèche. Les flèches causent des dégâts avec le temps. Il convient alors de retirer rapidement. D'accord. J'évite les flèches. J'ai pas peur, moi. Ouais, il y en a partout, les mecs. Oh là là. Ah, ça rigole pas dans ce jeu-là. Hein.
Ceux qui lancent des flèches à ça rigole pas du tout. Bah ouais. Mais fils de pute. Mais me prend par derrière, mais comme une, je sais pas, mais oui, c'est comme tu faisais caca, tu vois, ça te prend, puis d'un coup, ça veut pas sortir parce que, non mais merde, c'est dégueulasse. Moi j'ai pas peur, je me balade un gros caillou, tu vois. Dans la vie, je sais pas quoi foutre de mes journées. Comme tous les autres. Plus avec une flèche, il me pète mes beaux cailloux. Putain de ta race, bouffe mes courgettes, putain de ta race, vas-y, bouffe mes courgettes. Je vais striker ces putains de connards, on va striker ces putains de connards. Ah bah voilà. Bah oui, c'était tout con, c'était le joystick. Quand t'appuies au hasard, des fois ça marche. Hein. Bon alors, est-ce que je passe ou je passe pas la porte? Bon, vu qu'elle est ouverte, on y va. Mais bon, avant, on va regarder si je peux améliorer mes compétences. À terre, on va le faire ça. Allez. C'est vrai, j'utilisais mes ronds, tiens. Il y avait une touche rond. Pour donner un coup de poing. Ok. C'est qui cette pétasse? Comment rencontra-t-il la reine guerrière, Akana? Stop! Ou tu mourras sur place. Tu ne m'impressionnes pas, femme. Pour qui est-ce que tu voyages? Je suis Conan, et je suis libre. Libre de servir une femme? Pour la satisfaire, oui. Oui, pour la baiser surtout. Il veut la baiser. Parler ainsi, je pourrais te tuer sur le champ. Tu es courageux. La peste noire a infesté ces plages. Tous les hommes sont condamnés. Si tu veux vivre, viens avec moi. Joli mot, dans une belle bouche. Ah, une belle bouche où tu voudrais que je te suce la bite. Sans défense, barbare. Ouais. Mais bon, mais oui. Bien sûr que non. Après toi. Il me fait peur son nez. Parce que quand tu vois le nez du mec, tu te dis ouais. Sur le bateau. Mais les hommes, barbares. Mais elles nous aideront à quitter l'île. Elles nous aident pas. C'est quoi ce truc bleu là? C'est quoi ça? Bon. Ah, c'est pour sauvegarder. Bah non. Je m'en fous. J'ai pas envie de sauvegarder, non. Alors, Ah, bah merci, il y a des connards. Alors, lui, déjà, je l'aime pas, lui, tu vois. Sûrement un homme d'Akana. Le buter, hein. Mais non, mais... Oh là là, on peut pas, putain, il est en second temps. Lui. Et il est là. Ah voilà. Attends, hop. Ouais, je t'ai demandé de le tuer, c'est tout. Bon, faut aller où maintenant? Ouais, il y a plein de monde, hein. Ah, là, il y a de la musique, là. Là, c'est bien. Parce que quand il n'y a pas de combat... Ah, il faut aller là, d'accord. Quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas de musique. C'est quoi, ça? Ah! Ah non. Ah, d'accord. Vous libérez les messieurs. Barbare. Un matelot a été sauvé. Hein? Vous savez, comme dans Fort Boyard. Bon, je sais pas faire, il n'y a que Passepartout qui sait faire. Je suis Passepartout de Fort Boyard. Oh, j'encule les matelots.
sur les crétinards. C'est pas du tout une chanson, c'est une parodie. Toute la sienne, on s'en... C'est aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chanter ça. Il me balance des flèches, ce connard. Mais vous touchez pas mon tonneau. Mais l'autre, il m'est vas-y, mais... Va voir Chrome. Oh, je prends mon tonneau parce que j'ai soif, tu vois. L'autre jour, je me baladais dans la rue, je savais pas quoi faire. Et je vois un tonneau, je me dis, tiens, et si mon tonneau, je prenais avec moi pour aller boire un coup. En fait, je me promenais, tu vois, puis un gros connard qui avait me fâché, il m'a pris mon tonneau. Alors, je l'ai buté, tu vois, je lui ai coupé sa tête, je lui ai égorgé, je lui ai coupé ses bras. Puis après, je l'ai balancé contre le... par-dessus la corde. Et même, il y a un mec qui m'a dit, par-dessus la troisième corde. Alors, j'ai récupéré mon tonneau, mais un mec était enfermé dans une cage, alors je l'ai libéré. Mille merci, barbare. Et de deux. Je récupère mon tonneau. Hop, j'ai bu un coup avant parce que j'avais soif, tu vois. Et dans ce tonneau, il y avait beaucoup de choses. On m'a dit, surtout, ne le perds pas. Je l'ai pas perdu. J'ai continué mon chemin avec le tonneau. Et franchement, l'eau derrière, elle est dégueulasse, on dirait du ciment, quoi. On dirait que quelqu'un est en train de couler une dalle de ciment, quoi. Le temps de latence qu'il y a entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment il attaque. C'est incroyable. Il y a au moins 2 secondes. Oh, fils de pute. Oh, petit enculé de Taras. Oh, je vais me le faire, lui. Oh les saloperies de pirates. Le petit ticket de sang là, ça m'a fait bander là. Oh là, oh j'ai joui là, je vais être obligé de changer de pantalon là. Ah oui, alors, comme vous pouvez voir derrière moi, on voit ma collection. J'ai mis de l'aluminium, je me suis dit ça va faire joli. Tu vois, change de conversation quoi, comme change de chemise, tu vois. Mais en plus toi ce temps-ci, je suis heureux. Tu vois, j'ai appris c'est que des bonnes nouvelles, tu vois. Surtout pour quelque chose qui m'a fait drôlement bander. Et bon, je le dirai pas, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils comprennent pourquoi. Allez, pute-le, oui. Voilà. Ah, attends, c'est là qu'il y a une nouvelle compétence. Ah, attends. Chiche. Kebab. Ah ouais, d'accord, il y a un succès, il s'appelle Shish Kebab. Mais il veut me troucher le cul, lui. Me troucher le cul. Me troucher le cul. Je viens d'inventer un nouveau mot. Chérie, ce soir, je vais te troucher le cul. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est de la part de Yoshi Gamer. Me troucher le cul. Me troucher le cul. Ouais. Hein, ouais. Chérie, ce soir, je vais me troucher le cul. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bon alors, elle prend. Est-ce que je vais dans les chemins, mais je vais dans l'invisible. Vas-y, pseudomie, vas-y, mets-moi des tartines de fion dans le cul, vas-y, je te dis rien. Ainsi disparu Conan. Oui. Il a voulu me troncher le cul. Et bah moi je vais te mettre une tartine de fion. Ah voilà, et il avait passé par-dessus la troisième corde, mesdames et messieurs. Il fallait par où? Dans la rue. Je sais pas du tout ce qu'il dit, Conan, en fait. Je comprends pas ce qu'il dit. Tu as dû activer les sous-titres. Tu sais mettre sous-titres, comme ça, tu comprendrais ce qu'il dit. Je vais vous mettre en miettes. Ah, il va nous mettre en miettes, d'accord. Il dit, je vais vous mettre en miettes. Et là, c'est plutôt le mec qui va nous mettre en miettes, toi, en fait. Ah, son tonneau. Bon, on récupère le tonneau. Je vais boire un coup, je vois. Chérie, jamais de pinard.
Non, je vais pas te sauver parce que j'ai pas envie de te sauver, toi. T'as l'air d'un gros enculé, surtout. Va voir Chrome. Va voir Chrome. C'est ça qu'il a dit. Va voir Chrome. Va voir Rome. Ça peut pas être Rome, ça va être Chrome. Ouais, c'est... Faut le libérer, on est obligé de le libérer. On peut pas le laisser crever. Oh, c'est vraiment connard. Tu m'as sauvé la vie, barbare. Tous les matelots doivent être sauvés. Dans le bateau. D'accord. D'accord. Ok, il faut les rejoindre aux connasses sur le bateau, quoi. Elle pouvait pas nous aider? Putain, vraiment une salope. Attends, faut... Attends. Si je calcule bien, faut faire demi-tour, tu vois. Ah bah oui, bah j'ai un connard qui est là, tu vois. Conan, je m'appelle Conan. Ah ouais, c'est... Oh mais putain, c'est vraiment du catch, quoi, c'est... Faut aller là? En arrière. Ouais, faut aller là. Hein. Allez, on y va. Cinématique magnifique. Des effets... incroyables. Des hommes qui nous attendent pour une sodomie. Oh ouais. Rejoins tes hommes au royaume de Chrome. Ah, royaume de Chrome, d'accord. Une chèvre pour diriger des clébards. J'aime l'odeur de ton sang. Oui. Comme tous les autres. Ah oui, non, on peut éviter les coups. Oui, non, si. On va descendre là. Je pense qu'on peut. Ah, on peut pas les vivre maintenant. Je pensais on pouvait les éviter, les mecs. Non, moi, je veux le tuer. Eh non, il veut pas. Voilà, un petit peu de vie. Maîtriser. Ah oui, mais pas du tout maîtriser, quoi. Le mec, il veut pas trop mourir. Ah non, mais... Ah, mais si tu me pètes mes envies, ça va pas le faire, quoi. Meurs, bâtard. Ah, il est mort. Ah, d'accord. Peut-être prendre ça, non? C'est quoi, ça? Oh putain, j'arrive pas. Mais c'est quoi ce contrôle de merde, quoi? Mais va te faire reculer, mais va te faire prendre pour une courgette, quoi, je sais pas. Espèce de knacky, là. Non, mais je vais pas crever, quand même. Ah non, mais il va te faire, mais va te faire une sodomie profonde, là. Ah, bon, comme ça. On prend un petit coup. Je saute, je saute. Elle vient me péter la vie là, putain, mais. Ah! Ah! Je l'ai niqué! Il m'a niqué aussi! Et maintenant, qu'il faut faire? Ah, le jeu planté. Ah non. Ton vaisseau, quittons vite cette île maudite. Hé, hey, attends un peu. Certains de mes hommes sont prisonniers sur la côte. Ils Quel sont cul? Sûrement contaminés ou déjà morts. Partons. Ils s'en foutent vraiment. Non. Le mec, il s'en fout vraiment. Les autres, ils sont en train de crever de faim ou de soif. Tu te ferais tuer. M'en fous. J'y vais. Rejoins-moi avec ton vaisseau. Ah, d'un coup, il a changé d'avis. Reste derrière toi. Ces machines de guerre vont nous aider. Les yeux en or. C'est de l'or, cette femme. Noire, Conan. Elle transforme les hommes en monstres. Je dînerai avec Chrome le jour où un maudit chien de Barakéen aura raison de moi. Sa voix me dit quelque chose, je doubleur. Des pirates dans cette jungle. Je sais pas qui a doublé Conan dans le jeu, mais... La voix me dit quelque chose. Voilà, c'était le test sur Conan, le jeu sur PlayStation 3.
On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des propositions de tests sur les consoles récentes ou précédentes, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer cette putain de cloche qui sert à avoir des notifications par rapport aux prochaines vidéos qui pourront sortir. Parce que c'est vrai, ce temps-ci, j'en ai sorti moins parce que j'avais pas beaucoup de temps et parce que j'avais pas d'envie, surtout. Et là, ce soir, je me suis dit, je sais pas quoi foutre. Ben, faisons une vidéo, une vision test. Et peut-être la semaine prochaine, vous aurez un Yoshi, qui sait. Peut-être, je sais pas. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez. Et bien sûr, à bientôt. Ciao, bye bye.